Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'économie. Au sommaire de cette émission, la Suisse qui abandonne le taux plancher de sa monnaie. Une décision vivement critiquée qui a provoqué la panique sur les marchés financiers. Une envolée du franc. On tentera de comprendre pourquoi avec notre analyste financier Eric Lewin. Et puis en deuxième partie d'émission, on partira au Brésil. Les difficultés économiques et les futures coupes budgétaires rendent le climat social de plus en plus tendu. Ces derniers jours, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre la hausse du prix des transports publics. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, je vous propose de passer en revue ce qui fait l'actualité économique internationale et on commence avec la visite du Premier ministre japonais en Israël dimanche. Shinzo Abe a rencontré son homologue Benjamin Netanyahou. Les deux dirigeants ont annoncé vouloir renforcer leur coopération économique et développer leurs échanges commerciaux. D'après les dernières statistiques officielles, entre janvier et novembre 2014, plus de 22% des importations israéliennes provenaient d'Asie. Et c'est vers cette région que sont allées environ 25% des exportations de l'État hébreu. Écoutez. Je crois qu'à son tour, Israël doit diversifier ses marchés afin d'y inclure le Japon et d'autres grandes économies d'Asie. C'est pourquoi votre visite ici, qui est, je crois, historique, est importante pour nos deux pays. Le Japon et Israël sont deux pays qui n'ont pas beaucoup de ressources naturelles. Mais ce que nous avons, ce sont des ressources humaines. Et nous partageons aussi bien notre stratégie, l'innovation, qui s'est révélée être un outil indispensable pour notre futur. On continue à parler de l'Asie puisque ce lundi, la bourse de Shanghai a clôturé sur une chute spectaculaire de 7,70%. Ça faisait plus de 6 ans que la première bourse de Chine continentale n'avait pas connu un tel plongeon. Ces derniers mois, la tendance globale était même plutôt à la hausse, plus 61% sur les 12 derniers mois. Alors pourquoi ce revirement de situation ? Eh bien, parce que vendredi soir, après la fermeture des marchés, des sanctions ont été annoncées à l'encontre de plusieurs courtiers, des courtiers qui pratiquaient ce qu'on appelle du trading sur marge, c'est-à-dire qu'ils accordaient des prêts aux investisseurs afin qu'ils puissent acheter toujours plus de titres boursiers. En Russie, le PIB devrait se contracter de 4,8% au lieu de 0,2%. C'est en tout cas ce que prévoit la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui a revu ses prévisions à la baisse pour l'année 2015 en cause de facteurs, la chute des prix du pétrole et les sanctions occidentales qui ont provoqué l'effondrement de la monnaie russe, une baisse du rouble qui a fait peur aux investisseurs et qui est donc elle-même responsable d'importantes fuites de capitaux. En 2014, elles ont été multipliées par 2,5 pour atteindre plus de 250 milliards de dollars. Chiffre tout de même à prendre avec précaution car il est gonflé par les liquidités en devises étrangères fournies aux banques pour lutter contre la crise. 57 millions de dollars de prêts avantageux pour favoriser l'énergie propre dans le monde. C'est ce qu'a annoncé l'IRNA, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, aux côtés de l'ADFD, le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Alors plus précisément, cette somme sera destinée à financer 5 projets en Argentine, à Cuba, sur l'archipel de Saint-Vincent et les Grenadines, en Mauritanie et en Iran. En tout, près de 300 000 personnes devraient pouvoir en bénéficier. Écoutez. Avec le soutien général des Émirats arabes unis, à travers les 350 millions de dollars du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, nous avons 7 périodes dans lesquelles seront déployés ces 350 millions de dollars. Dans le second cycle, nous financerons 5 projets pour utiliser une variété de technologies renouvelables, avec un total de 57 millions de dollars qui seront utilisés pour ce cycle. Et notez que d'après les Émirats arabes unis, la chute des prix du pétrole ne devrait pas avoir d'impact sur le développement des énergies renouvelables. En 2014, les investissements dans ces énergies ont progressé de 16% pour atteindre 310 milliards de dollars.
Et on termine ce tour de l'actualité économique avec une bonne nouvelle pour Renault, puisque l'année dernière, ses ventes mondiales ont progressé de 3,2%. Le groupe automobile français a écoulé plus de 2 700 000 véhicules. Une bonne performance grâce au marché européen, mais aussi grâce au succès de la Dacia, une voiture qualifiée de simple et bon marché. C'est une décision qui a surpris tout le monde, l'abandon par la Banque nationale suisse de sa politique d'intervention sur sa monnaie. Depuis septembre 2011, un cours plancher était fixé à 1,20 francs pour 1 euro, mais ce détachement inattendu a provoqué une envolée de la devise et a créé un véritable séisme sur les marchés financiers. Alors, la BNS a-t-elle eu raison d'agir ainsi? Élément de réponse avec Daniel Roth et Anthony Lesme. Sans prévenir, sans signe annonciateur, la Banque nationale suisse a décroché sa monnaie de l'euro. C'était jeudi dernier au petit matin. En quelques minutes seulement, la bourse s'effondre. Elle perd 12% avant de se reprendre légèrement en fin de journée. Quant au franc suisse, il bondit de 30%. Une monnaie plus forte qui renforce le pouvoir d'achat des habitants du pays vis-à-vis des biens libellés en euros. Les consommateurs se sont alors précipités pour changer leur monnaie et se sont dirigés vers les pays voisins comme l'Allemagne et la France pour faire leurs achats. Moi personnellement je suis frontalière, donc l'impact est plutôt positif. Tant qu'on gagne en France-Suisse, on est bien impacté. Mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. Les secteurs du tourisme et du commerce suisse sont en effet inquiets. Le pays deviendrait trop cher pour de nombreux touristes et un franc suisse fort limiterait les exportations. Ce serait peut-être positif sur certains, mais ça serait certainement mauvais pour les grandes sociétés, hein, comme Nestlé et Hoffmann-La Roche, qui ont beaucoup de ventes en monnaie étrangère. Les effets sur la finance mondiale sont tout aussi immédiats. Des pays débiteurs, comme par exemple la Pologne, voient sa dette soudainement devenir ingérable. La propriété que je possède vaut 250 000 zlotys. Et le prêt que j'ai à payer pour l'instant est d'une valeur de 550 000 zlotys. J'ai déjà remboursé 100 000. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vendre la propriété et de rembourser la dette en même temps. C'est tout simplement impossible, à moins que le gouvernement interfère avec le taux de change. Pour certains spécialistes, la Suisse a battu en retraite avant la très attendue réunion de la Banque centrale européenne le 22 janvier prochain. Elle a de grandes chances d'officialiser un programme de rachat massif d'obligations souveraines, une opération susceptible de faire fortement baisser l'euro et donc monter le franc suisse. Voilà, et nous allons approfondir ce sujet avec Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour. Alors pour commencer, on va revenir un petit peu en arrière. Pourquoi est-ce qu'en 2011, la Banque centrale suisse a décidé de fixer un taux plancher, de rattacher sa monnaie à l'euro ? La Banque nationale suisse avait absolument besoin en 2011 de freiner l'envolée du franc suisse, tout simplement parce que l'économie suisse est très dépendante de l'extérieur, les exportations ont un poids très important dans le PIB, et il fallait absolument endiguer tout ça. Alors on l'a bien compris, en fin de semaine dernière, la Banque centrale suisse a décidé de mettre fin au taux plancher de sa monnaie. Est-ce que cette décision était prévisible ? Oui, la Banque centrale de Suisse a pris cette décision complètement à contre-courant. Personne ne s'attendait à une telle décision. C'est pour ça qu'il y a eu autant de ravages, aussi bien sur le marché des changes que sur le marché des actions. Mais la Banque nationale suisse n'avait absolument pas le choix, puisque l'euro s'était effondré contre toutes les devises, que ce soit notamment contre le dollar, que ce soit contre le yen, que ce soit même contre le shekel israélien. Et ça n'avait plus de sens de maintenir une parité fictive à 1,20€. Alors, est-ce que cela préfigure une attitude de la Banque centrale européenne cette semaine ? A priori, la Banque centrale européenne devrait agir, mais en tout cas, je pense que la Banque nationale suisse se devait de couper finalement cette espèce de PEC, cette espèce de lien fixe qui n'avait plus aucun sens. Le franc suisse est une monnaie très forte, alors que l'euro ne cesse de se déprécier. Donc, c'est une décision normale, mais elle est un peu inexplicable dans son timing. On va maintenant s'intéresser aux conséquences. Lorsque la Banque centrale a annoncé sa décision de ne plus intervenir sur sa monnaie, la bourse suisse s'est effondrée. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable krach boursier ? Oui, on peut même parler, Johanna, d'un massacre sur les valeurs boursières suisses. L'indice, le SMI, le fameux indice de Zurich, a perdu environ 15% de séance. Et puis surtout, il y a vraiment un massacre sur toutes les valeurs exportatrices. Je pense notamment aux valeurs spécialistes de l'horlogerie. Richemont a perdu plus de 20%. Même sanction pour Swatch, moins 24%. Nestlé également a perdu plus de 10%. On peut dire que c'est un véritable crack. Alors ce qui est étonnant, c'est quand même le crack est vraiment
que sur la Suisse, puisqu'on a vu que les bourses européennes se tiennent plutôt bien, ont même connu une très bonne fin de semaine dernière, alors que sur la Suisse, il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut dire qu'avec une économie, comme je le disais, tournée vers l'extérieur et des entreprises très présentes à l'international, il y aura sans doute une perte de part de marché pour toutes ces multinationales, ne serait-ce que parce que le franc suisse s'est envolé en fin de semaine dernière. Alors, autre répercussion, le franc suisse est envolé. Que peut faire la Banque centrale pour limiter la casse ? Écoutez, le problème, c'est que la Banque nationale suisse ne peut pas faire grand-chose, étant donné qu'elle a coupé ce PEC, c'est-à-dire ce lien fixe entre l'euro et le franc suisse, eh bien, elle laisse le franc suisse aller un petit peu dans tous les sens. Pour l'instant, il y a une énorme fermeté de la devise helvétique. Alors, ce qu'espère la Banque nationale suisse, c'est que ça va se calmer, mais elle ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il faut bien comprendre que dans les réserves de la Banque nationale suisse, l'euro représentait 45%, et que la Banque nationale suisse ne pouvait plus continuer à acheter de l'euro. Donc c'est une décision, je le disais, un peu surprenante, mais assez logique d'un point de vue économique. Et finalement, qui sont les gagnants et les perdants de cette histoire ? Écoutez, Johanna, les grands gagnants sont bien sûr les frontaliers, tous les Français qui travaillent en Suisse et qui sont donc payés en franc suisse tout en habitant en France. Donc eux sont évidemment les grands gagnants de cette rupture du lien entre l'euro et le franc suisse. Maintenant, les perdants, il y en a beaucoup. Il y a toute l'industrie horlogère. Il faut savoir que l'horlogerie exporte environ 80 à 90% de sa production. Donc, les montres vont être beaucoup plus chères. Pour des groupes comme Richemont, comme Swatch, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pour le tissu des PME suisses, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut savoir qu'elles exportent en général 80 à 85% de leur production vers l'Union européenne. Elles vont être de moins en moins compétitives. Et puis, il y a tout un secteur du tourisme qui ne va pas bien aller. Vous savez que déjà, c'était extrêmement cher de se payer des vacances en Suisse pour un Européen. Alors là, ça va devenir quasiment inabordable. Et donc, on peut estimer que les stations suisses, notamment tout ce qui concerne les sports d'hiver, vont essuyer des pertes assez importantes. Merci beaucoup, Eric Lewin, pour ces précisions. On part à présent au Brésil. Ces derniers jours, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues, des protestations contre la hausse du prix des transports publics, une hausse, selon eux, injustifiée, car bien plus élevée que l'inflation. Résultat, les autorités craignent une intensification de ces mouvements et des débordements, puisqu'on s'en souvient, c'est l'augmentation du prix des tickets de bus qui, en juin 2013, avait déclenché des manifestations sociales historiques au Brésil. Les détails en images avec Anthony Lesme. Nouveaux affrontements au Brésil. À Sao Paulo, la capitale économique, ils étaient plusieurs milliers à contester l'augmentation des transports publics. La semaine dernière, le prix du ticket a augmenté de plus de 16%, alors que l'inflation sur l'année a été de 6,4%. C'est une augmentation significative, compte tenu du fait qu'il y a déjà une partie de la population de Sao Paulo qui n'utilise ni le bus ni le métro, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. La population du Brésil et de Sao Paulo est très pauvre, donc une augmentation de ce type signifie que d'autres personnes vont devoir se passer de ce service parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Des raisons qui expliquent la colère des Brésiliens. Colère attisée par l'affaire Petrobras. Alors que 39 personnes sont inculpées pour corruption dans de nombreux politiques, les suspicions vont bon train. D'autant que la présidente Dilma Rousseff était PDG de la firme pétrolière au moment des faits. 4 milliards de dollars auraient été détournés et blanchis. Tous les ans, les prix des transports publics augmentent à Rio de Janeiro. Ceci est possible car c'est une mafia qui a la main mise sur le transport. Les entreprises privées de transports publics financent les campagnes des hommes politiques au pouvoir qui ensuite laissent augmenter les tarifs à leur guise. Il se trouve que le parquet de Rio a contesté cette augmentation. Selon le procureur, le tarif ne devait pas dépasser l'inflation, mais son recours a été rejeté. Plane désormais la menace de nouveaux débordements. En 2013, de telles augmentations avaient déjà précipité des millions de personnes dans la rue. Les manifestations de cette année 2015 sont déjà beaucoup plus importantes à leur début que celles de 2013. C'est déjà la deuxième mobilisation très forte, donc on y croit. On pense qu'avec beaucoup de travail et de la participation de tout le monde, on peut arriver à annuler cette augmentation qui est abusive. À peine réélue, la présidente Dilma Rousseff risque de connaître une nouvelle crise populaire. D'autant que les prévisions de croissance sont proches de zéro. Joachim Levy, le nouveau ministre de l'économie, a annoncé la réduction de l'assurance chômage et la suspension des subventions gouvernementales pour éviter la hausse des tarifs de l'électricité. Des mesures peu réjouissantes pour les 200 millions de Brésiliens. Et nous allons continuer à parler du Brésil avec Carlos Kenan, professeur de sciences économiques à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, première question, comment peut-on expliquer une telle augmentation du prix des titres de transport au Brésil ?
Bon, disons que c'était quelque chose qui était déjà plus ou moins annoncé. Disons, le gouvernement de São Paulo, par exemple, avait parlé d'un ajustement des tarifs en novembre dernier pour les amener à 3,40 reais, disons, le ticket de transport. Et disons, ceci s'explique par le fait qu'il y a des ajustements périodiques compte tenu de l'inflation et pour maintenir dans une fourchette déterminée, disons même réduire un petit peu les subventions qu'il y a au niveau de ce transport-là. Et disons que l'on sait que avec ces mesures justement qui sont proposées maintenant, on voulait que justement les subventions pour le transport urbain, par exemple dans la ville de São Paulo, tombent de 1,6 milliard de reais à 1,4 milliard de reais, qui fait partie, disons, de tout un processus aussi de rigueur budgétaire qu'il y a au niveau national, au niveau des États et des municipes actuellement au Brésil. Merci beaucoup Carlos Kenan pour ces explications et c'est la fin du magazine de l'économie. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure et on parlera notamment de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. On tentera de comprendre quelles peuvent être les retombées économiques pour le pays organisateur de cette compétition, la Guinée équatoriale. En attendant, l'information continue sur i24 News.